Et bonsoir à tous. Alors, je suis en train de vous voir. Un, deux, un, deux. Ah ouais. Je crois que j'ai branché mon micro sur le mauvais port USB. Bon, c'est pas grave, ça suffira largement assez pour ce soir. Normalement, vous m'entendez quasiment bien. Donc, petit subnautique, hein. On va faire de 20h à 22h ce soir. Comme ça, on va tenter. Là, notre but, c'est de retrouver Bertha. Donc, ça sera pas un live très folichon. À part si on trouve le vaisseau très rapidement. Si on trouve le vaisseau rapidement, on va parler à la radio. Donc la radio maintenant se met à clignoter, ça veut dire qu'on a des nouveaux trucs. Des nouveaux trucs à voir ou pas, je sais pas, on verra ce que la radio nous propose. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est que on va pouvoir avancer encore un peu dans l'histoire. Oh, j'ai cru. Lol. J'ai cru que c'était un Nemo. Je me suis dit, what? Un Nemo dans. J'avais jamais vu de Nemo. Enfin. Alors. Donc voilà. On va essayer de trouver Bertha. Je me souviens plus du tout où je l'ai posé. Je sais juste qu'on était à 500 mètres. Voilà la seule chose que je me souviens. On a amené Rosie là-bas. On a tout mis en place. Donc ça veut dire que sur Rosie, c'est bon, c'est réglé. Notre Slipknot, il est aussi en place. On l'a en main. Donc là, l'idéal serait de retrouver le coin où il y avait les algues bleues qui étaient au minimum 500 mètres de la surface. Si on trouve le coin des algues bleues, normalement, on devrait pouvoir refaire grossièrement le chemin qu'on a fait. Si on refait le chemin qu'on a fait, on devrait trouver Bertha. Tu vois, j'espère qu'on va le retrouver ce soir parce que bon, voilà quoi. On n'a pas envie de refabriquer un Bertha et en plus là, on refait un Bertha. Ça veut dire qu'en gros, on a quand même un Bertha qui se balade dans la nature, qui nous prend de la place. Qui bouffe de l'énergie, qui fait du bruit. C'est débile. Quand même mieux de retrouver la Bertha qu'on avait. Oh, je suis jamais allé là. C'est tout noir. C'est vraiment tout noir. Tout noir de chute, tout noir. Mais ça a l'air profond. Pas comme ça qu'on va retrouver Bertha, hein. Où ça amène? Oui, je me suis éparpillé. Comme d'hab, hein, vous le savez. C'est vraiment très profond, dis donc. On va arriver à 900 mètres. Aïe. Oh oh! Non, non, non! Vite, on se casse! Vite! Vite, 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 vite. Pas se faire manger, faut pas se faire manger, faut pas se faire manger. Je vais pas perdre mon Slipknot quand même dès le début du live. Remonte, 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 remonte. Ah, mais s'il me cherche, on va sortir le couteau et il va voir, on va le cut. Non, 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 vite, vite. Il est parti. Il est parti. Ouh. Ouf. C'est cool. Alors, juste une toute petite seconde. Je vais vous abandonner une petite minute. Je reviens très vite. À tout de suite.
Et re... Voilà, pardon. Allez, on est ensemble jusqu'à la fin normalement. Si... Reprenons. On vient de se sauver le cul, il y a le Léviathan qui voulait nous bouffer. Ouais, c'est ça. Et on cherchait Rose Bertha. Donc il faut retrouver le coin. Le coin perdu. Donc c'est pas par là, hein. On l'a compris. C'est pas du tout par là. Et qu'il vaut même mieux éviter d'y aller si on veut pas mourir. Après, j'espère pas que l'histoire nous y amène. L'histoire nous y amène. On va douiller de ouf. C'est le mot. Alors, normalement, on devrait voir les plantes bleues là. Pas longtemps. Et donc, on devrait voir là où on est venu. Et à partir du moment où on va voir là où on est venu, on va pouvoir retrouver Robert. Bertha. Pas Robert, pardon. La pauvre, on lui a changé son nom. On lui a changé son nom. Alors... L'idéal, c'est qu'il aurait fallu que je sache de quel sens on était par rapport à la maison. En fonction de la direction de la maison, je sais où on va. Et où c'est. Pour une fois que je connais mon chemin. Tellement rare. Noté d'une pierre blanche. Là, je pense qu'on est en train de s'éloigner. Mais couplet. Bon, par précaution, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des batteries. Au cas où, si ça allait durer trop longtemps. J'ai prévu des batteries. Alors, je vais pas vous mentir. Oh, 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 oh. On veut plus de bruit. Non, 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 non. Sur le couteau, sur le couteau. Tiens, 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 tiens. Tiens, 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 tiens. Non, ne le détruis pas. Vite, vite, on le répare. Oh la chance. Oh la chance. On le répare, 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 on le répare. Il est réparé. Il est où? Il est où? Il est où? Non, 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 tiens, 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 vite, 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 vite. Mais c'est quoi ce monstre? Non mais... Il a eu peur de mon couteau. Je vous dis, il a eu peur de mon couteau. On se met là-bas. Voilà. Je sais pas où on est. Au moins, là, il nous attaquera pas. Où est-ce qu'on est? Je sais pas. Je sais clairement pas où on est. Il y a des champignons. Enfin bref, là, il peut pas venir. C'est pas possible qu'il puisse venir ici. Aïe. On a encore de la vie. Oui, on a de la vie. Wouhou. Ouh, la chance. Mais la chance. On va sortir de là, il a dû partir. Je pense que c'est bon, il est parti. Non, il est pas parti. Il est parti. J'espère quand même, si. Faut qu'il soit parti. Pour sortir de là, c'est une autre question. Pourquoi je suis rentré dans cette grotte? Ouais, j'ai des problèmes dans ma tête, je pense. Ah, ça y est, on est sorti. Bon. Bon, faut pas qu'on se refasse gober, hein. Alors...
Je pense qu'on va rentrer à la maison, comme ça j'aurai la direction de là où je dois aller. Sinon je vais jamais trouver. Là en fait on est en train de retourner sur nos pas. Donc ça veut dire qu'on a... On a fait le tour quoi. C'est ça, on a fait le tour de la map. Ouais, sauf que Bertha elle est pas par là. Bertha elle était dans des plantes. Je vais jamais la retrouver. On va mettre les 2 heures pour retrouver Bertha. Moins de 2 heures même. Ouais, 1h30. Après, si on est sorti par ce côté-là, par logique, elle est de l'autre côté. Donc il faut qu'on aille de l'autre côté. Allez, on fait ça. On va aller voir de l'autre côté. Avec de la chance, elle est de l'autre côté. De toute façon, il faut retrouver les plantes. On l'a laissé. Il y avait les plantes. Je l'avais laissée, elle était à 500 mètres. Il y avait les plantes. Donc, il suffit juste qu'on aille de l'autre côté et qu'on trouve les plantes. Mais par contre, on commence à avoir soif. Bon, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Je crois qu'on se fait pas attaquer par un énorme truc gigantesque, genre le truc qu'il y a là-bas. On s'y approche pas, il nous voit pas. Il nous voit pas, il nous voit pas. Il nous voit pas. Il nous voit pas. Si on le voit pas, il nous voit pas. C'est sûr. Si on le voit pas, il nous voit pas. Et on s'en va doucement, tranquillement. Il nous voit pas, je vous dis. Il nous voit pas. J'ai cru qu'il y avait marqué grosse. Il n'y a pas marqué gros squelette quoi. Quoi. Non c'est bon. Rien. On s'en fiche, on peut le cuter ça. Couteau dans ses dents. Alors. Là-dedans on est déjà allé. J'ai pas besoin d'y retourner. Par contre c'est pas du tout par là. Donc il faut qu'on arrive à trouver une entrée. On met nos plantes. Et des plantes, on retrouvera Bertha. Donc il faut qu'on trouve une entrée. Ah. Là-dedans. On l'a visité ça? Ou pas? Je pense pas. Oh c'est un carré tout plein. Rien à visiter. Ah il y a une entrée par là. Ça amène pas à la lave. Non ça amène pas à la lave. Donc on n'est pas venu par là. Donc le truc qui est sûr, c'est que grosse Bertha on l'a pas mis là où il y avait un squelette. Je me souviens pas avoir vu un squelette. Moi je sais qu'il y avait des plantes partout. Et qu'on était à moins de 5... À 500 mètres, obligé, parce que elle pouvait pas aller plus loin. D'ailleurs, ça serait bien de lui augmenter sa profondeur. À Bertha. Alors. Pas qu'on puisse arrêter quand même, vu la taille du vaisseau. Mais dès qu'on la retrouve, je vous dis tout de suite, hein, on met un radar dedans. Je sais pas si ça marchera, mais on met un radar dedans. Alors, je sais qu'on avait réussi à la rentrer dans une grotte. Mais je pense pas que ça soit celle-là. Je me rappelle pas qu'elle était verte. Moi, je suis sûr qu'elle était bleue.
On y va, Molo. On y va, Molo. Il nous voit pas. Il nous voit pas. Il nous voit pas. Si je le vois pas, il nous voit pas. Il nous voit pas, il nous voit pas, il nous voit pas. Je vous dis, il nous voit pas. Ah, je vous l'avais dit. Il nous a... Il nous a... Vite. Vite. Ah, c'est bon. Oh, la chance. Alors. Peut-être par là ? Il y a quoi là-haut ? Y'a rien. Là on sait, on, là on est dans là où il y a gros squelette. Voilà, là il y a gros squelette. Il n'y a pas Bertha. Je ne peux pas rentrer avec Bertha dans un gros squelette. On va quand même aller voir. Il y a quand même des plantes bleues. Et on a dit qu'on l'avait posé là où il y avait des plantes bleues. Et ben voilà. Oh bah c'est trop cool, on a retrouvé Bertha. Enfin. Bon bah il fallait aller à Gros Squelette. Ah cool, on va pouvoir avancer dans l'histoire sans... Ah là. Yes, c'est trop génial. Ah par contre maintenant, on va essayer de corriger ça. Ok, si on lui donne un nom. Est-ce que ça va marcher? Terminé. Et à chaque fois, donner un nom. Voilà, là il a un nom. Est-ce qu'on va l'avoir? On va s'éloigner. On va voir. Non, parce qu'il faut, il faut pas lier ça, hein. Sinon ça va recommencer, on va la perdre. On la voit. Non. Ah oui, il y a le Slipknot dedans. Bon, donc on va lui mettre un radar. Sûr, on va lui mettre un radar. Ok. Ouais bah elle est buggée sur ça. Bon, on va lui mettre un radar. On va lui mettre un radar, ça sera très très bien. Alors, on va le mettre où ? Le radar. On peut pas le mettre là, sinon il va, il va faire plouf. On va le mettre dans la salle de pilotage. Les batteries sont bonnes. On va regarder de l'autre côté si les batteries sont bonnes. Non. Non. Ah, celle-là, on va la changer. Voilà. Alors le radar, on va le mettre là. On va voir si ça fonctionne. Oh, j'en ai plus. Pour en fabriquer. Je crois qu'on a un fab... Ouais, mais on n'a pas de compo. Bon, on va rentrer à la maison. On va fabriquer un radar. C'est obligé. Allez. C'est parti pour essayer de rentrer à la maison. Et trop bien, on a retrouvé Bertha. Alors. Donc, il faut essayer de retourner à la surface. Sans tout détruire. Là, ce serait bien. C'est pas qu'on est en train de frotter la carrosserie, mais un tout petit peu. Un chouïa, pas beaucoup. Pas beaucoup, mais ça frotte. Par là, ça a l'air de monter. Ah, ça frotte de fou. Ça frotte. Oh là 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 là, ça frotte, ça frotte, ça frotte. Ouh, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, ça passe. C'est que de la carrosserie. C'est que de la peinture. Faut juste refaire la peinture. Ah 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 ah. On est sorti. Yes. Yes. Ça frottera plus. Ok. Maintenant, go maison. Allez, on ramène Bertha à sa place. On ramène Bertha au bercail. Oh, c'est trop bien, putain, je suis trop content. Je pensais pas qu'on allait y arriver. Moi, pour moi, jamais on ramenait Bertha. Alors, 2 secondes.
Et salut! Oui, Bertha est vivante! Alors, deux petites secondes. Je fais une petite manipulation. Et je suis re à vous. 1. 1. 1. Non. Non. Alors, 2 secondes. Hop. Sauvegarde. Toc. Toc. Ok. Donc, la sauvegarde n'a pas marché. J'adore. On va éteindre le moteur. Hop. Je vous remets, hein, une petite minute. Hein. On va refaire une sauvegarde. Voilà. Hop. Là, ça a l'air d'avoir fonctionné. Hop, parce qu'il faut que je redémarre, j'ai un petit bug. Hop. Et ça vite. Normalement, ça devrait se régler assez facilement. Bon. Kitty, ça va? Ça fait bizarre de t'appeler Kitty. Voilà, c'est réglé. Et voilà. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça charge. Alors. Oxygen efficiency decreased. Bon, ça va toi ou pas? Dis-moi tout. Dis-moi tout. Ok, on est bien dans Bertha. Allez, nickel, il n'y a plus qu'à la rentrer à la maison. Engine powering up. Alors, juste arrêtez bien de voir un peu du jour au lieu de voir du tout nuit. Qu'il y a un code qui permet. Oui, je connaissais. Alors, je connais pour certains jeux, mais je connaissais pas pour Subnautica. Mais je sais qu'il existe ouais, des modes pour certains jeux qui permettent d'interagir. Genre par exemple, il y a un jeu de peinture où les viewers peuvent te dire ce que tu dois dessiner ou te donnent des malus, des trucs comme ça. Ouais, j'avais déjà entendu parler sur ça. Ah bah si on a Jean Razmotte, on va pas s'en sortir, hein. Après, pour Subnautica, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait rajouter, en fait? C'est ça. Je vois pas ce que ça pourrait rajouter, le fait que les viewers peuvent interagir. Peut-être te dire là où tu dois aller ou des trucs comme ça. Je sais pas. Ça peut être marrant. Ouais, ça peut être marrant de fou. Genre, hein, vous contrôlez ma vie, mais bah, ça serait vous contrôlez mon jeu, quoi. Oh, j'ai la queue qui frotte. Pardon, la queue du sous-marin qui frotte. Ah, oh, c'est ouf. Ça doit être drôle, ça. Par contre, vaut mieux pas avoir des viewers trolls. Hein. Tu peux galérer, tu peux souffrir de fou. Hein. Mais ça peut être drôle. J'aime bien, t'as les lampes de Rosie qui dépassent. Allez, on va garer Bertha à sa place. Maintenant qu'on l'a retrouvée. On va lui mettre un radar dedans.
Les viewers doivent payer. Ah, oh, ça c'est moche par contre. Ouais, donc non. Ça, ça m'intéresse pas. Je vais pas. C'est pas mon but. C'est clairement pas mon but. C'est limite même pas drôle. Je comprends pas pourquoi ils l'ont fait dans ce sens là, sérieux. On la garde là ? Allez, on la garde là. Ah ! Ça a frotté. On va la remonter un peu. Mais pourquoi t'as frotté ? Ah non, on va éteindre le moteur. Ça sert à rien qu'il tourne. Éteins-toi. Éteins le moteur. Voilà. Oh, mais c'est clair que c'est super triste. Ça devrait être... bah, limite au bénévolat. Et il y a certains modes où... certains gros modes... Où tu peux faire un don au mode pour qu'il s'améliore, mais t'es pas obligé de payer pour jouer avec. Je connais, pas sur Subnautica, mais sur d'autres jeux, c'est comme ça. Mais c'est beaucoup mieux, quoi. Comme ça, si tu as envie, tu peux, et bah si t'as pas envie, ou si tu peux pas, tu cours, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas. Hein. Clairement. Ah, on va garer le Slipknot. Va falloir regarder dans les inventaires d'ailleurs des vaisseaux. Il est pas fait. Je crois que Rosie il est vide. Le Slipknot, je sais plus. Je crois qu'il a plus d'inventaire le Slipknot. Voyons voir. Non, je crois qu'il a plus d'inventaire le Slipknot. Ouais, c'est ça, il a plus d'inventaire. Mais Rosie elle en a. On va aller voir si on a vidé l'inventaire à Rosie. Alors. Non. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Hein. Ali, épuche-toi. Attache-toi. Voilà, je préfère. Non mais oh. C'était pas ce que je voulais faire. Ouvrir le stockage. Voilà. Bon, on avait vidé Rosie. Ouais, c'est pire que mauvais bouton. Et misclic. Alors, radar. On va faire un radar, on va le mettre dans Bertha, comme ça nous arrivera plus. Alors, oh, qu'est-ce qu'on a débloqué? Ah, bâton lumineux. Alors, radar, outil de repérage. Déploie un disque. Ah, ça pourrait être utile ça, l'outil de repérage. Balise, cuivre titane, un cuivre, un titane. On doit avoir ça normalement. Le cuivre, on l'a. Ah, il n'y a pas de titane là. On va peut-être changer la pile de ça. Ça va peut-être bien. Ah bah, 100%. Il y a le pistolet réparateur aussi à changer la pile. Donc j'y pense. Voilà, on a tout bien mis comme il faut. On change. Et... Hop, on change aussi. Mais normal, t'as fait une modif de pseudo après. Après. Donc ça garde mon... Parce que c'est pas Twitch qui me permet de faire ça, c'est un sous-traitant. Et le sous-traitant, il est pas, il s'actualise pas comme il faut. Donc c'est normal que ça l'affiche. Même des fois, j'ai... Ouais, c'est ça. Et avant, j'affichais le nombre de subs, le nombre d'abonnés, de followers. Et... Quand t'as des bots qui follow et qui après qui disparaissent, ils me gardaient le nombre. Donc des fois j'avais genre des chiffres, j'avais plus d'une dizaine de chiffres normal parce qu'ils gardaient le nombre. Ils se mettaient pas à jour. Mais j'ai préféré afficher, j'ai viré ça, j'ai préféré afficher les subs. J'ai trouvé que c'était plus sympa. C'est
Bah c'est la... Comment dire? C'est la moindre des choses. Et comme ça, au moins... ça fait une mini pub, entre guillemets. C'est toujours sympa. Ouais, c'est la moindre des choses. C'est au moins un petit truc que je peux faire. Je sais pas, je trouve que ça fait toujours plaisir de voir son nom. C'est sympathique. Donc, je me dis que c'est toujours sympa pour... Et ça bouffe pas l'écran. Donc je peux le faire. C'est quelque chose qui va pas vous gêner pour la vision. Donc voilà. Pourquoi s'en priver? Alors. Allons jeter cette balise dans notre vaisseau. Pour la retrouver. On va la jeter. Bah tiens, on va la jeter là. Voir si ça va fonctionner. Hop. On peut pas? Oh zut. Oh zut. Oh, ça veut dire qu'on trouvera jamais Bertha. Oui, j'ai vu la radio. On va s'en occuper. Bah, on retrouvait Bertha. Et après, on faisait la radio. Donc, la technique qu'on va faire, vu que Bertha est buggée, on va mettre un radar dans les coffres. Voilà. On va mettre un radar dans les coffres. Et comme ça, à chaque fois qu'on la garera, entre guillemets, on sortira le radar. Comme ça, au moins, on la retrouvera à chaque fois. On le renommera Bertha. Et ça serait bien de mettre des trucs de santé aussi dans Bertha. On va faire ça. Parce qu'il n'y en a pas. On va en faire deux. Même quatre, ça serait peut-être bien. Ouais, on va se lancer dans ça. On va lui en faire quatre. Comme ça, au moins, si je déplace avec, je sais qu'il y en a. Donc, une... Deux. Trois. Et quatre. Voilà. Au moins le mur là, il n'est pas utilisé. Donc, qu'est-ce que ça demande déjà? Donc, circuit intégré. Maille de fibre, minerai d'argent. Les quantités, s'il te plaît. Si tu m'affiches pas les quantités. Ah, 1, 1, 1, 1. Donc 4 titanes, 4 minerais d'argent, 4 mailles de fibre, 4 circuits intégrés. Ok. C'est parti. Et après on fait la radio. Normalement on a encore, ouais on a le time, on a encore un peu plus, on a à peu près 1h, 1h10. On a largement le temps de faire tout ça. Donc. 1, 2, 3, 4, 4 argent. Circuit intégré, il faut quoi pour les faire? Il faut... 4 or, 4 cuivres, non 8 cuivres et 8 corail plat. Ok, on va s'occuper de ça d'abord. Ok, donc là on a 2 or. 2, 3, 4, 5, on a 6 cuivres, il nous en manque 2. Cuivre, oh, ça va nous consommer, oh ça va nous consommer tous nos consos. On n'a pas dû le faire. Ok, corail plat. On a dit 8 corail plat aussi. Donc ça fait 2. Il nous en manque un certain nombre. 4, il nous en manque 4. 4 cuivres. 2, 3, 4, 5. Et il nous en manque 3. 3 cuivres. Et or, il nous en manque 2. 2 or. On les aura pas là par hasard. Oh, quasiment tous les cuivres. Oh, ça c'est trop bien ça. Ça c'est trop bien. On va faire les plus comme ça, ça va nous prendre. Ça va nous diminuer l'inventaire. Alors, pile de cuivre. Hop, donc déjà 2 puces. Ah, nickel. Donc il nous manque. On a... Donc il nous manque un cuivre. Un cuivre, 2 or. 2 or et 4 4 corail plat. Okay. Et on va prendre 2 argent. Donc on a 2 puces.
Il va falloir qu'on aille manger aussi. De titane et de fibres de machin. Pour faire les fibres de machin, il va falloir aller bouffer les plantes, je crois. Oui, c'est ça. Il faut qu'on aille choper les plantes. C'est ça. Il nous faut 4 feuilles de vigne. Ça, c'est facile, les vignes, c'est là-bas. Ça va aller vite, les vignes. On va sortir notre couteau barbecue. Ça va aller très très vite avec le couteau barbecue. D'ailleurs, pourquoi Kitty Way? Ça vient d'où? Ça vient de quoi? Pourquoi? Pourquoi t'as choisi ça? Oh, l'arnaque. Manque de place, manque de place, manque de place, toujours manque de place. Stock par hasard? Non, je crois pas. Ah, on en a un. Il est pourri. Mais est-ce que ça va passer? Oh, même pourri, ça passe large. Ok, parfait. Et titane. Par contre, titane, je crois qu'on en a plus. Ah si, on en a un. Juste un. On a le débris. On va le casser. Voilà, ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Et on a dit... j'ai oublié. Argent, je crois. Ouais, c'est ça. Argent, argent. Argent, de argent. Argent, argent. Bon, on va en faire que deux, on va pas en faire quatre. Quatre, ça fait beaucoup. Surtout qu'en plus, on en a deux à la maison. Welcome, Captain. Par contre, à chaque fois qu'on ira, on va essayer de récolter. Comme ça, on mettra dans les stocks. Si on en a, mieux c'est. Voilà. Absorption. Ouh, il veut qu'on mange. Eh ben, on va aller manger. De toute façon, c'est facile, le couteau barbecue. Voilà. Hop. Fil de cuivre, on va le stocker là. Oh, on a un rubis. Là. Allez, on va aller manger. On va aller voir si la distilleuse à Ricard elle est prête. Elle est prête. Toujours prête pour un petit Ricard. Voilà, nickel. Alors, allez, allons manger. On a la dalle. On a la grosse dalle. On va sortir la dynamite. Voilà. Plus sympa la dynamite. Oh yeah. Toi t'es pas stasé mais tu meurs quand même. Voilà. J'aime quand vous mourrez comme ça. Yeah. Yeah. Oh, c'est tellement bon. Pardon. Mon côté psychopathe. Voilà, nickel. Allez, on va pouvoir cliquer sur la radio. On va pouvoir voir ce qu'elle va nous dire. On va pouvoir voir cette radio depuis le temps qu'elle clignote. Oups. C'était pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. C'était pas pourri. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ah. Ouais, tout ça pour ça. Ah ouais,
C'est cool. Elle nous a envoyé du morse. Elle nous a envoyé du morse. Ah, mais t'es en live aussi. Oh. Tu me regardes d'un œil, c'est ça? Et d'un œil avec moi et un œil sur ton écran? Bah, mon live à toi. Alors, ce morse, comment on va le traduire? D'accord, ça nous avance. Ça nous avance très fort. De recherche. Unité de téléportation de contrôle de quarantaine. Téléportante. Pardon. Je sais plus lire. Là, c'est toutes les formes, tout ce qu'on a mis dans le Pokédex. Qui a été ajouté au Pokédex. Ah oui, c'est vrai, il faut lire, il faut tout lire pour que le plus disparaisse. J'avais oublié. J'avais clairement oublié. Décédé. Hein. Des unités mortes. Neuil rouge. Ah, ça c'est tout ce qu'on a scanné. Ce qu'on met dans le Pokédex. Et les plantes. Tant qu'on y est, on fait tout. Comme ça, c'est fait. On débarrasse. Depuis le temps qu'on stocke. Pas très passionnant, je me doute. Hein. Mais bon. Au moins, comme ça, c'est fait. J'aime pas les petits points qui brillent. De partout. Voilà. Normalement, on est débarrassé. Et oui. Ah cool, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors. Ok. Donc nous avons un super message radio qui sert à rien. C'est le mot. Clairement. Il sert à rien. J'ai cru qu'on allait avancer dans l'histoire. Peut-être débloquer des batteries ioniques ou je ne sais quoi. Et non. Petit football. C'est des c'est des méchants. Les méchants. Alors, voyons voir. Donc, pour tout ça, il nous manquera les batteries ioniques haute capacité. On n'a toujours pas. Pas comment avoir. Ok. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le module pour le Cyclops, le MK1. Ouais. On peut faire le MK1, normalement on a ce qu'il faut, 3 rubis. Module de réparation de la baie d'amarrage. Extinction d'incendie du Cyclops. Ça peut être très intéressant à faire, hein. Sonar, on s'en fiche. Générateur de bouclier. Une barrière temporaire autour du... le rendant invulnérable pendant un bref instant. Ça aussi, ça peut être intéressant. Je sais même plus qu'est-ce qu'on a comme module dedans. On va aller voir. Je sais qu'on a mis des modules. On les a gagnés. On les a trouvés, du moins. Pas gagnés. La différence. Alors, elle a le module d'amélioration du rendement. Ok. Donc on a celui-là. Et est-ce qu'on peut l'améliorer? Je crois pas, hein. Non, on peut pas l'améliorer.
Module. Cas de prône. Attends. D. Je crois que si. Non. Non. C'est pas ce que je pensais. Endor. Non, ça c'est le Cyclops. Oui, c'est ça, c'est Cyclops. Ah ouais, c'est Cyclops. Il nous faut un module de réparation des baies démarrage du Cyclops. Répare les véhicules à marée dans le Cyclops. Ah, ça on s'en fiche. Ça c'est pas utile. Ça c'est utile par contre. Système d'extinction. Donc il nous faut deux aérogels et deux soufres cristallins. F4, 2 secondes. Pardon, un lapin qui faisait des bêtises. Fallait le corriger. Lui montrer qu'il fallait pas faire ça. Je rigole, hein. Je suis en train de m'imaginer en train de le tabasser. Jamais. Non, juste j'ai remis ce qu'il a bougé en place. Alors, 1, 2, 3. 4, 5. Donc on peut mettre encore 5 modules. Ok. Donc allons voir ça. On a l'emplacement pour 5 modules. Donc déjà je pense qu'on va mettre le module pour la chaleur. Welcome to aboard, Captain. Ça va voir là. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai l'impression qu'on va plus vite. On court plus vite quand on l'a dans les mains. C'est juste parce que ça me fait nager plus vite. C'est dans la tête tout ça. Je suis cinglé, oui, vous savez très bien. Alors. Cache coq. Module de ciblage. Non. Et non. Et bah. Il y a un truc, un module dans Bertha. C'est ça? Il y a un truc, un module dans Bertha? On va aller voir. En attendant, je crois qu'on avait pour le système d'extinction. Deux aérogels et deux cristallins. Généralement, les cristallins, je les ai. Aérogels, il fallait rubis et sacs gélatineux. Donc, il nous faut deux rubis et deux sacs gélatineux. Normalement, ça aussi, on a. Normalement, on a. Ou on avait. Ouais, on avait, on a plus. Mais c'est pas grave, on ira les chercher. Donc on en a qu'un. Et rubis, est-ce qu'on en a assez rubis? Oui, rubis, on en a large. La radio, on en a large. Bon, après pour avancer l'histoire, je sais que on doit aller au château de lave. Donc si vraiment la radio nous mène à rien, on ira de nous-mêmes. On ira là-bas. En attendant, on va faire les modules pour Bertha. Ça lui fera plaisir à Bertha d'avoir quelques petits modules supplémentaires. Bon, les deux cristallins, on les a.
Donc il y a juste à aller chercher le sac gélatineux et le rubis. On va prendre le slipknot. Juste d'aller au radar à rubis. Je sais qu'il y a des sacs gélatineux là-bas. Allez, c'est parti. Radar à rubis, c'est là-bas. Et... ou sinon le radar à uranite quand on a les sacs gélatineux. Non, je crois que c'est le radar à rubis. Bon, on va aller au radar à rubis, on verra bien. Par contre, on est encore y aller à la one again. On a soif. Et on va sûrement avoir faim au bout d'un moment. Bon, c'est pas grave. On avisera comme d'hab. Donc on va essayer de choper quelques sacs gélatineux pour avoir un peu d'avance. Rubis, c'est bon. Après, si on en voit sur le chemin, hein, ça coûtera de les prendre. Ça fonctionne. Je pensais pas que ça allait fonctionner. Je pensais pas qu'il allait fonctionner d'aussi loin. On était loin du sol quand même. Ouh. Ouais, ça... loin. Là, je pense qu'il y a des rubis. Ouais, on va pas s'enfoncer. Ouais, j'avais raison. Un rubis. C'est quoi ça? On l'a déjà visité? Oui, on l'a déjà visité. Par contre, il y a... wow, tous ces rubis. On va les prendre. Vu qu'on en a besoin. Hop, on va pas cracher dessus. On va pas l'attraper? On va pas le prendre? Oh, zut! Ah, t'es sympa, là, la collection. Je crois qu'on l'a déjà scanné. Hein. De toute façon, il nous l'afficherait si on, si on devait le scanner. Un rubis de plus. Qu'est-ce qu'il nous manque? Là-bas. Non. Et... on n'avait pas vu un autre. Non, c'est du quartz. Ouais, c'est du quartz. Pas du rubis. C'est du quartz. Là. Pierre. Oh, du lithium. Encore rien. Et ça, c'est un poisson coincé. Toujours marrant les poissons coincés. Oh, on a un chat. Le Pokédex. Le Pokédex, 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 Pokédex. Yes. Le bâtard. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais où? Où il m'attaque? En fait, c'est une sangsue, c'est une sangsue des océans. Je crois pas. Je me suis fait... tu sais, sans mon autorisation. On sait pas voir là. Non, c'est pas 2834 mètres. C'est par là. J'espère qu'on a encore de l'eau dans l'inventaire par contre. Oui, ouf. C'est mauvais signe ce bruit. C'est mauvais signe ce bruit. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, les sacs gélatineux. Est-ce qu'on va réussir à en trouver sans utiliser le radar? C'est pratique parce qu'il n'y a plus d'énergie dans le radar. Mais normalement, c'est vers le bas. Je me rappelle bien. Après, sinon, s'il faut mettre de l'énergie, on mettra de l'énergie, mais... alors... je crois qu'il y en a par là. Non? Si. Moi que oui. Non. Vu de nez, non. Bon, bah on va mettre de l'énergie dans le radar, c'est pas grave. Alors.
Bon, c'est pas grave. On va sortir. Hop. On va mettre de l'énergie dans le radar. Hop. Pas trop loin ? Lui, il était trop loin. Oh, plus de batterie. Mais... Voilà. Ah, j'y crois pas. Oups. You fail. Il a appris à voler le poisson. Ça devrait suffire là, non? Le poisson, il a fait... Oui. Ouais. Aïe. Nous volons vers d'autres cieux. Allez, on y retourne. Il est où? Heureusement qu'on a mis des radars partout. Moi qui vous le dis. Sinon, je les retrouverai jamais. On s'est éloigné de ouf. Allez hop. Juste de mettre un petit coup d'énergie là-dedans. Oh. Pourquoi il est fou l'énergie? Comment se fait-ce? Oh, il y a encore plein de trucs dedans. Bon. On va le blinder. Voilà. Il est bien, bien blindé. Bien blindé. Alors. Ah, gélatine. Voilà, je vous l'avais dit que c'était lui. On lance. Je vous avais dit que c'était lui. Faut me faire confiance un peu de temps en temps. Tout le temps. Mais de temps en temps. Puis on s'est mis bien, on a mis de la santé. On a... Franchement, on s'est mis bien. Hein. Alors, le slip. Je vous avais dit qu'il y en avait là. J'étais sûr. C'est pas fou. De temps en temps. Pas tout le temps. Après c'est là-bas. Moi, j'espère que c'est pas dans la grotte. On va aller voir. On va aller savoir tout de suite. Oh c'est quoi? Ah oh, j'ai cru que c'était un truc qu'on n'avait jamais vu. Mais si. On l'a déjà vu. Il y a un petit rubis sur le passage en même temps. Il nous en fallait combien déjà? Deux je crois, c'est ça? Oui c'est ça, c'est deux. On va en prendre un petit peu plus, hein, vu qu'il y en a. Voilà. On aura un petit stock. On va éviter de s'éloigner trop loin du Slipknot quand même. C'est un coup à mourir d'oxygène, comme d'hab. Hein, vous le savez bien. Vous avez l'habitude maintenant. Là, on est limite un comique de répétition. On va le prendre. Pourquoi je m'embête à me faire le chemin à pied? Sachant qu'on peut le... Oula, oula, là, là, il y en a un qui veut se prendre un coup de couteau. Non? C'est bon? Ok. Faut pas m'embêter, moi. Moi, j'ai mon couteau. Hein. Moi, j'ai mon couteau. Coup de couteau direct. Réfléchis même pas. On passe entre les deux. Elle a un maestro du Slipknot. Alors, c'est vers où? Je crois que c'est dans une grotte. Hein. Pas intérêt. Pourquoi il me perd dans une grotte? Oui, c'est dans une grotte.
dans les profondeurs. Oh, oh, oh. Je vais me perdre. Bon, ça devrait aller. Et les autres. Ouais. Vous savez quoi, je crois qu'on va s'arrêter là, parce qu'on va se perdre. Vous savez très bien en plus qu'on va se perdre. Je sais pas comment on a fait. Mais je les avais pas vus sur le radar ceux-là. Bah, tant mieux, hein, je vais pas râler. Je crois qu'on a trouvé un truc qu'on a jamais vu. Ah, il y a une plante qui tire. Il y a une plante qui tire. Là, c'est quoi? On a déjà vu ça? Oui. Oui, on a déjà vu ça. Bon, on s'en va. C'est un coup à se perdre encore. Ça va être très bien en plus. Vous savez que je vais me perdre. M'éparpiller comme ça. Oh, on est jamais venu là. On a trouvé un truc. Il n'y a plus d'oxygène. On a trouvé un truc. Mais il n'y a plus d'oxygène. Comment on va? Et on va jamais le retrouver. C'est sûr. C'est sûr, on va jamais le retrouver. Pour le moment, ça peut passer, on va voir. On va essayer. On prend la lampe. C'est pas la lampe, ça? Pourquoi j'ai pris ça? Voilà, ça c'est la lampe. Voilà, d'ailleurs, on va falloir mettre des piles dans la lampe. Alors. Y'a pas des modules par hasard? Tu veux pas m'offrir des modules? Combinaison. Oh, oh, combinaison de plongée renforcée. Ouh. Vraiment lumineux. Ça on a. Ça on a déjà. Ok. Combinaison renforcée. Et, ouh, j'ai trop hâte de m'en servir. Faut qu'on la crafte. Au retour, on va la crafter. Y'a rien d'autre? On va mourir. On va mourir d'oxygène. Bon, on sort de là. Vite. Vite, vite, vite. Là, j'ai vu un truc. Ok, un truc à scanner, non? Ça, c'est une chaise. Allez. Vite. Vite, 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 on trouve le vaisseau. Il est où le slipknot? Il est où le slipknot? Il est là. Vite, 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 vite. Et on rentre à la maison. On est plein. Là, les compos. Oui, oui, je sais. J'ai perdu. Là. J'ai failli mourir. C'est de votre faute, ça. C'est de votre faute. Alors, il faut aller éteindre le radar. Non, il va nous bouffer. Aïe. Vous avez rien vu et j'ai rien fait. J'ai pas cassé. On n'a pas cassé. Ça a fait une petite rayure. Rien. Même moins d'une pièce de 2 euros. Véridique. Moins d'une pièce de 2 euros. On a faim, il faudra aller manger. On l'éteint. Hop, il nous bouffe pas le courant. Et ça, c'est une pompe à énergie, ça. Impressionnant. On peut pas aller manger. On a plus de place. Bon, les maisons. On devrait avoir largement le temps de rentrer avant l'heure de faim. J'espère. On verra. Au feeling. Au feeling. Peeling, ça passe.
Bon, mais on aura avancé un petit peu. On a découvert la super tenue renforcée. Elle est où? Elle est là. Ouh. Combinaison anti-radiation. En plus, anti-radiation, on n'en a plus besoin. Combinaison de plongée renforcée. Combinaison de plongée en fibres synthétiques lourdes, offrant une protection physique et une survie améliorée à des températures extrêmes. Ouh. Fibres synthétiques. Diamant. Diamant, on a. Titane, on a. Fibres synthétiques. Benzène et mailles de fibre. Ouh, on peut tout faire. Normalement, on peut tout faire. Huile de sang, x3. Je crois qu'on n'a pas ça. Bon, on verra bien. On verra bien, on va bien voir. Mais ça, faut qu'on la fasse. Parce que si on retourne dans la lave, on va en avoir besoin. Ouais. Si on retourne dans le monde de lave, on en avoir besoin, clairement. C'est moi où il y avait un mur. Non, il n'y a pas de mur. J'ai rien vu. Il n'y a pas de mur. Faudrait inventer un téléporteur. Comment ça changerait la vie? À Terraria, ils ont trouvé le truc. Ils ont mis le téléporteur. Le téléporteur à la maison. Et la vie, le téléporteur à la maison. Il y a quelques batteries à changer aussi. Il y a les batteries de l'ampoule à changer. Mais il y a quelques petits trucs à faire quand même. Je crois qu'on a changé une des piles aussi. Il y a une pile à changer. Ouais, pas ampoule, pile. Vous aviez compris. Oh. Ça c'est 83, 57, 44. Oui, il y avait ça à changer. Hein? Hein? Et on va rechanger ça. 57, c'est pas assez. On fait des grosses expéditions. Au mieux. Être armé. Alors. Combinaison de plongée renforcée. Oh, je veux la faire. Oh, je veux la faire. Je suis limite d'avis qu'on abandonne les modules là et on part sur ça. Ah ouais, de fou. Ouais, on part sur ça. Alors, on va stocker les sacs gélatineux. Oh bien. Voilà. Avoir un petit stock. On va stocker les compos qu'on a trouvé. Non, pas la pile. La pile, t'as rien à foutre. Faire là. Ok. Donc. Un fibre synthétique. Deux diamants. Deux titanes. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Enfin, des fibres synthétiques, il faut un benzène, un maille de fibre. Un benzène, il faut 300. Déjà, c'est la première chose qu'il faut vérifier si on a les 300. Pas les soldats. Hein. Oh, il nous en manque un. Il nous manque un sang. Je crois qu'il y en a au niveau de l'uranite. On va aller à l'uranite. Avant, on va manger. On a faim. On va aller manger. Fusil ? Des coups de fusil. Allez, on y va au fusil. Et c'est parti. Ça va marcher. Non, ça va marcher. Et là, ça a marché. Et même quand il bouge pas, j'arrive à les esquiver. Mais vous y croyez? Même quand il bouge pas, j'y arrive. Allez. Mais voilà. Non mais oh. D'où tu esquives mon couteau.
Surtout je suis à 3 cm de toi. Oh mais oh. J'y crois pas. Tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes. Je sors mon couteau, tu te calmes. Viens me battre. Viens me battre. Vas-y, viens. Voilà, ça t'apprendra. Je crois pas. N'importe quoi. Non mais oh. Attendez. Voilà. Non mais oh. Pourquoi on m'attaque comme ça? Avec ces bêtises, je me rappelais plus ce que je faisais. De la fibre. Voilà. On va mourir. De la fibre et après on va boire. Alors, sur le couteau. On va prendre tout ce qu'on peut. Hé, elle est où? Elle a disparu. Je savais pas que ça pouvait disparaître. Ah bah, on en découvre tous les jours. Ah, un inventaire plein. Que je voulais faire. Je pensais pas que ça pouvait disparaître. Genre quand on a trop coupé, pouf, ça disparaît. Il faut faire gaffe avec ça. Ça clignote? J'ai cru que ça clignotait. Ah non, juste. Oh, t'es bien. Clignote. On va faire tout ce qu'on peut faire. Voilà. Ok, le benzène, c'est les huiles de... On va aller chercher ça. Et la plante, on va la stocker. Là. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller chercher les huiles de sang. Pourquoi je suis passé par là? Faut pas me demander. Faut pas réfléchir. Des fois, faut clairement pas réfléchir. Et c'est comme ça. Ça se fait comme ça. Bon. Et en plus, j'ai soif. On avait dit qu'on devait aller boire. On n'est pas y allé. Allez, on va à la distillerie à Ricard. Ouais, le Ricard est prêt. C'est ça qui est bon. Le petit Ricard. Alors. Donc, normalement, le sang, c'est au niveau de l'uranie. J'ai cru qu'il disait Sister Online. Ouais, les professeurs. Non, c'était système. Système Online. Oups. Je crois qu'on a dégommé nos drones. C'est pas moi. J'ai rien fait. Vous avez rien vu. Il n'y a pas de preuves. Donc, le sang. Une fois qu'on a les huiles de sang. On va faire les... On fait le costume. Et qu'on a le costume.
On regarde si la radio nous dit quelque chose. Et si la radio dit toujours rien. Après avoir. Ouais, il reste 30 minutes. Donc, non, je vais pas m'avancer. On va faire le costume. Normalement, on devrait avoir largement le temps de faire le costume pour que, avant d'arrêter. Et je pense qu'au prochain live Subnautica, on ira voir le château de lave. Voir si ça va nous débloquer quelque chose. Je sais que c'est là qu'il faut aller. Mais j'aurais préféré que le jeu me le dise. Plus il nous manque les batteries ioniques qu'on a toujours pas. Il est déjà venu là. Oui, je crois qu'on est déjà venu. Oui, on est déjà venu. Je me rappelle plus que l'uranite était aussi profond. Et du sel, il y en a en masse. Il y en a en masse. Alors, on a trouvé un d'uranite. Mais non. Et 200. J'ai pas envie de l'allumer. Oh, la lumière fut. Ouh, faut le réparer. J'y vais pas. Faut le réparer. J'ai pas vu qu'on avait pris autant de dégâts. Mais comment ça s'est fait? C'est pas comme si on avait tapé dans plein d'objets différents. C'est pas moi. J'ai pas tapé. Non, pas par là. Ça, ça sent le gros ver géant qui va encore nous bouffer. On va aller vers là-bas, il y a les plantes. Il y a des plantes là-bas, je crois que c'est le truc de sang, ça. Oui, je crois que c'est celle-là, c'est bon. Je savais qu'elle allait, fallait aller vers l'uranie. On bégaye. Voilà, nickel. Et on va en prendre plusieurs. Non, on fait pas un voyage. Tu veux tâter mon couteau toi aussi? Ah, on va faire plein. 1, 2, 3. Il nous en restera 2. Bon, c'est pas grave, on en aura 2 d'avance. Allez, c'est parti. T'as la maison. Ça serait drôle que ça nous chope. Genre on passe à côté et chou que ça nous attrape. Ça nous bouffe. C'est pas drôle sur le moment, mais ça aurait été drôle quoi. On aurait perdu le vaisseau. Ah, j'ai fait quoi? Mauvaise manip. Voilà, nickel. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà, c'est bon, pardon. Je vous ai retrouvé. Je vous avais perdu. Je vous ai retrouvé. Allez, bon, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. On évite le mur. Et c'est pas le but de toucher. Le mur. Le grand mur. Qui est pas ratable. Comme si on allait le rater. Comme l'autre mur. Aïe, vous avez rien vu. Mais ça fait toujours moins de 2 euros. Je crois que c'est bon.
que ça fait moins de 2 euros. C'est bon, ça passe. Passe. Nickel. Easy. Finger in the nose. Oups. Ça passe. J'ai dit. Là, là devrait pas y avoir de mur. On est quand même à la surface. Oups. J'ai rien dit. Là, même à la surface, il y a des murs. Je crois pas. On peut plus nager tranquille. Non, c'est plus possible. Oups. Ah, ça y est, on est rentré à la maison. Oui. Le cyclope, on va le mettre dans la baie. Comme ça, ça va le recharger un peu. Ça va être nickel. Et peut-être qu'on va pouvoir nager là où il y a du poisson. J'y crois pas, mais bon. On fera un test. On essaiera. Faut qu'on essaye. Ah ouais, de fou, faut qu'on essaye. Alors. Juste deux secondes, je vais vérifier un truc. Non. Et non. J'ai encore perdu. C'est bon. J'arrive à me perdre. Et moi. J'arrive à me perdre dans le vaisseau qu'on a fait. Alors imaginez quand on va dans une grotte. Franchement. Voilà. Il n'y a pas à réfléchir. Il faut pas que j'aille dans les grottes. Vous le savez très bien. Ok, ça c'est bon. Nickel. Après, il nous faut. Au ça. La maille. La maille. Hein, nickel. Et gros rouleau. De diamant, de titane. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Normalement, tout ce qu'il faut. Hop, de titane. Et des diamants. Oh les jolis diams. Il nous en reste que deux. Il nous en reste que deux. Eh ben c'est parfait ça. Alors. Combinaison doublée de plomb assurant une protection contre les radiations. Et hop. Oh trop bien. Combinaison de plongée renforcée. Mais comment c'est trop bien. Alors. Maintenant. Maintenant. Oui, on a des trucs encore. Ou toute analyse. Ça, c'est le truc qui nous a sucé dans notre accord. Ils ont renforcé. Combinaison. L'absorption de choc réduit de vitesse d'impact physique d'environ 50%. Évalue les températures pouvant atteindre jusqu'à 70 degrés. Non, vous n'êtes pas invulnérable lorsque le port de cette combinaison. Mais non plus, j'ai renforcé pour prendre de risques quand vous pouvez prendre Altera. Mais lol. Ok, ça on a. Et. MK3. Ouais, mais tout ça on a déjà vu. Espèce de raie sur 754 situés. Je viens de penser qu'on a toujours pas le deuxième code des portes de l'Aurora. Ça me fait penser à ça, ce code. On a toujours pas ouvert la porte. Et si c'était là-bas qu'il y avait les piles ioniques? Enfin bref. Alors,
Ok, cette tenue. On prend de la place. Oh bah, casque anti-radiation aussi, ça dégage. Ouh, ça fait du bien dans l'inventaire. Ça nous libère une. Allons voir le disciple. Maquillard, parce qu'on est coiffe. Oh, Laura n'a rien nous à nous donner. On en avait encore un petit Ricard sur, dans les poches. 12, 95, 75. Ouais, c'est bon. Allons manger. Et je sais pas trop quoi lancer parce que il nous reste que 20 minutes. Je pense qu'on va se lancer dans un module. On devrait avoir le temps de lancer un module. Hop, toi tu grilles. Hop, toi tu grilles. Il est où ? Il a. Et toi tu grilles. Voilà. J'aime quand ça grille. Je veux le même couteau IRL. Je veux le couteau barbecue. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il est où ? Non mais oh ! Je veux le manger. Ah oui, c'était pour manger. Je veux le même couteau IRL. Ça doit être trop bien un couteau comme ça IRL. Genre t'arrives, tu vois de la, tu vois un beefsteak, tu lui mets un coup de couteau, boum, le steak est cuit. Beefsteak cuit, boum. Oh, ça serait trop bien. La distilleuse, non, toujours pas. Ok, je te boude. Voilà. Oui, je te boude. Donc on s'est dit quoi? Ah oui, on va se lancer dans un module. Alors. Alors à la base, on voulait lancer le module. Et donc c'était pour le Cyclops. C'était lequel? C'était lui, je crois, oui. Avec les deux aérogels. Et le soufre cristallin. Rubis gélatineux. Deux rubis et deux sacs gélatineux. On a assez de ce qu'on a. Ré. En rubis, on en a pas. Et salut! Ça va? Alors, je pense que ce module-là, il va être bien pour le Cyclope, étant donné qu'on lui, ça fait plusieurs fois qu'il prend feu pendant qu'on le contrôle. Donc, ça peut être quand même utile. Ça peut être un plus. Hop, le cristallin et le deuxième cristallin. Voilà, nickel. On peut faire ce module-là. Étant donné qu'à chaque fois qu'on le prend, en général, il prend feu, ça peut être une très bonne idée de lui faire. Je dis ça, je dis rien. Ah oui, c'est vrai, on avait dit que c'était peut-être... Merci. Attends, je te la montre de l'extérieur. Je te la montre. C'est mon petit T2. T2 sur Paris. Regarde. Alors, de l'extérieur, on a le scanner, les réacteurs. Donc ça, c'est les réacteurs. Il y a le réacteur atomique et le réacteur avec des choses... J'ai oublié le mot. C'est tard, hein. Je suis fatigué, je sors du travail. Biologique. Voilà. On a la petite bulle en verre pour pouvoir avoir un beau... Bioréacteur, voilà. C'est ça, merci. Et pour voir le petit panorama, il nous manquait la petite chaise longue, mais on n'a pas pu la faire, si on aurait pu se poser. Là, on a notre chambre. Non, là, on a la chambre avec la distilleuse à Ricard. Je te la montre après. Et là, on a le bureau. Là, on a un petit aquarium. Et là, on a la baie pour le Slipknot. Et là, on a la baie pour Rosie. On a mis Rosie. Donc,
t'explique pas le nom, hein. Tu le vois très bien pourquoi il s'appelle Rosie. Mais voilà, il est là. Et à côté, on a Bertha. On a Bertha qui est là. Et là, on a un début de la fusée. On a commencé à créer un morceau de la fusée. Hop. Ouais, donc on s'est fait une petite base un peu sympa. C'est toujours sympathique. On a un peu le côté craft. Donc le petit côté craft, là où on a tous les coffres, les stocks, etc. Un autre petit côté stock, parce que bah, on commençait à manquer de stock. Je suis un peu un collectionneur, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc à ramasser, je vais le ramasser. Donc on a toujours besoin de coffres. Le petit bureau, j'étais bien, j'adore ça. C'est trop drôle. J'adore. Petite distribution à chips, café, pendant que t'es en train de travailler, si t'as un petit coup de mou. Là, t'es en plein taf. Hop, tu te prends ton petit paquet de chips. Franchement, là, il manque un petit transat. On se pose, belle vue. Oh, ça aurait été trop bien, le petit transat. Ah, et là, le petit aquarium personnel. Bon, il est un peu vide, mais j'ai eu peur que si je lui mettais un truc, il allait bouffer tout. Et là, on a le petit aquarium de plaisance avec les petits poissons. C'est tout beau, c'est mignon, ça fait de la vie, c'est super sympa. C'est très cosy. Le poster Kitty, il fallait absolument qu'on ait un poster Kitty. Et la chambre. Bien sûr, obligé, le lit à côté de la distribution de Ricard. Ouais, c'est... Alors, les autres, ça fait de l'eau. C'est une distilleuse à eau. Moi, la mienne, ça fait du Ricard. Tu fais, hop. Ah, zut, ok. Bon, bah. Ouais, regarde. Moi, c'est des magnums de Ricard. Regarde, il y a marqué magnum de Ricard filtré. Il n'y a pas marqué d'eau. Les autres, ils ont de l'eau. Moi, c'est Ricard. Et, tu vois, tu prends, hop, ton petit Ricard. Pouf, tu prends ton godet. T'as la petite chambre, tranquille. Comme ça, quand je me lève, mon petit Ricard. Posé, tranquille. Ça fait très alcoolique. Oh, merci. D'ailleurs, on va prendre le petit Ricard. Allez, hop. Voilà. Donc, on était parti pour faire. Merci. J'essaye. Mon but, c'est de divertir. Ça fait toujours plaisir. Alors, on voulait faire le module avant d'arrêter parce qu'on va pas tarder à stopper, on va pas se lancer dans le volcan parce que vu l'heure, on va se perdre encore une fois. Ah, tu crois? Je sais pas, je mate un peu, j'essaye de m'inspirer. J'essaye de voir un peu ce qui se fait, ce qui se fait pas, etc. Et j'ai trouvé qu'il y en avait qui étaient quand même délire. Après, moi, c'est... Comment dire? Naturel. Je suis cinglé de base. De base, je suis complètement fou. À mon ancien taf, mes collègues, ils en pouvaient plus de moi. J'étais du genre à arriver et à me mettre à danser pour aucune raison ou à mettre des musiques Disney à fond dans tout le taf. À moi, tu me laisses faire, c'est fini. On est fou. Donc, je voulais faire les modules et je voulais voir si on pouvait créer les modules parce que je peux pas les créer dans ma base. Ah, voilà, c'est là. On peut les créer là. Merci. De toute façon, j'adore ça. J'adore de fou. J'essaye, malgré comment dire, la petite communauté que j'ai, parce que je peux dire qu'on en a une, étant donné qu'on a quand même quelques viewers qui viennent assez souvent. Et qu'on commence à avoir pas mal d'interactions. Mais bon, on est pas énorme. On est... Allez, 3-4. J'essaye de tenir bon, de continuer. Parce que j'adore ça. C'est vraiment un kiff, j'adore ça. Ouais, ça avance. Alors. Donc, système d'extinction. Je pense qu'il nous le faut. Parce que si on suit... Ben, merci. Merci, ça fait toujours plaisir. C'est clair que ça fait plaisir. Et de toute façon, je fais ça pour vous, moi. Moi, c'est clairement, je fais ça pour vous.
si je faisais ça pour moi, bah je jouerais à des jeux tout seul, tu vois. Non, je fais ça clairement pour vous, pour donner la patate aux gens, donner le sourire. C'est ça qui est délire, c'est ça qui est bien. Malgré que bah, la qualité est pas trop là et que bah, pour le moment les timings sont pas non plus trop là à cause des horaires de mon boulot, je peux pas live autant que je faisais avant. Donc système d'extinction, parce que si on regarde les précédents lives qu'on a fait, à chaque fois qu'on a pris Bertha, on lui a foutu le feu. Clairement, elle a pris feu, elle a cramé 2-3 fois, donc vaut mieux qu'on le mette. Bertha, elle a toujours eu le feu aux fesses avec nous. Et c'est pas de ma faute. En partie. C'est pas tout le temps de ma faute, on va dire. Il y a des fois, c'est ma faute, je l'admets. J'aurais pu faire gaffe à où je vais avec. Mais bon. Par contre, j'ai la pièce qui est plongée dans le noir, j'ai les lapins, je sais même pas ce qu'ils font. C'est bon, ils sont en train de manger. Si c'est pour qu'ils tournent autour ou qu'ils tournent autour des câbles. Alors, est-ce qu'on a le temps pour faire un MK1? Le scanner, on peut pas encore le faire. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche aussi. Générateur de bouclier. Le générateur de bouclier aussi, il serait intéressant. Mais je pense qu'on va faire le MK1. Lingot plastacier et 3 rubis. Lingot plastacier, normalement, il nous en faut 10. Et je suis pas sûr qu'on ait les 10. On va voir. Si on n'a pas les 10, peut-être qu'on va aller. Oh, j'espère. Un jour. De toute façon, comme je t'ai dit, je suis pas prêt de lâcher. Donc, ça peut que s'améliorer. Ça peut que avancer. Merci. Franchement, ça fait trop plaisir. C'est vraiment sympa. Mais ça peut que avancer. Toutes les... La plupart des personnes qui viennent souvent... Ils disent toujours la même chose. Ils disent tes délires, c'est trop fun. Donc ça peut que avancer, c'est obligé. Du moins, j'y crois comme ça. J'y crois que ça peut que le faire. Et je me suis perdu avec tout ça, tu vois. Trop de flatterie. Je me perds, je sais plus où je vais. C'est bon ça, faut profiter. Faut profiter de la vague de fun. Alors le petit Ricard, on va se le boire. Tiens, allez, une lampe pour toi. Chin, petit Ricard. Hop, et pourquoi tu veux pas le boire? Voilà, c'était bon, il était bien frais. Alors, le module, oui, rubis. Il nous faut des rubis et lingots de plastacier, il nous en faut 10. 10. Bah si ça t'intéresse de revoir un peu toutes les conneries, tous les délires, conneries, j'exagère, c'est vulgaire, dis donc, un peu trop vulgaire, méchant Goody, méchant, tu l'as pas vu, mais je me suis tapé. T'as la chaîne YouTube qui refait tous les redifs depuis que j'ai la chaîne Twitch. Donc si t'as envie de te taper des barres sur des jeux peut-être que t'as kiffé, j'ai fait du Terraria, j'ai fait une partie de WoW. World of Warcraft, on a fait pas mal de petits jeux de survie, etc. Si t'as envie de te taper des barres sur peut-être des jeux que t'as connus, n'hésite pas. Ça fait toujours plaisir. Alors, lingot de plastacier. Donc, il nous fallait lingot de titane. Lingot de titane, voilà, c'est ça. Il nous en fallait 10, j'en étais sûr. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, il nous en manque 6. Non, on les aura pas. Attendez. Ah, c'est bon. Bah, les commentaires, en fait... bon, je peux pas te montrer. Hein. J'ai, si tu veux... J'ai... pour mon setup, en gros, grossièrement, mon setup, c'est... J'ai mon ordi, j'ai mon écran d'ordi, et juste à côté, j'ai mon PC stream. Donc, j'ai l'écran qui diffuse ce que je stream. Et les commentaires juste à côté. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai vraiment tout à portée des yeux. Et je fais exprès parce que, bah, comme je t'ai dit, le but, c'est de délirer avec la commu. C'est de faire le... Voilà, c'est faire du fun. Donc c'est toujours plus sympa de pouvoir répondre.
Et j'ai tellement de projets que j'aimerais faire, mais il faut que j'attende d'avoir un peu plus de communauté. J'ai récupéré un serveur. Attends. Ouais, il nous manque du titane. On va essayer de choper des débris. J'ai récupéré un serveur. Pas PVP, mais si, en quelque sorte PVP Minecraft. Et quand j'aurai un peu plus de communauté, je pense que je vais lancer un jour où on fera ça à récurrence. Ça pourra toujours être sympa avec les viewers et tout. Ah, bah merci, c'est cool, c'est gentil. Bah la même, si un jour moi je finis un live et que tu es en live, j'oublierai pas et je te le ferai. Alors on a un débris. Oh c'est cool. Cool. On va se raid mutuellement, ça va être trop drôle. On va faire exploser le site. Y'a un truc qui pète, y'a un truc qui pète. Il est volé. Non, c'est bon. On y a réchappé. Oh bah attends, tu sais quoi? Regarde ça. Attends deux secondes. Tu vas voir. Si t'es aussi délire que moi, ça mérite ça. Attends deux secondes. Hop. Alors, laisse-moi deux secondes. Tac. On va. Tac. Ah, on peut pas rater l'occasion. Quand il y a un streamer délire à portée de main, il faut faire ça. Deux secondes. Je me rends là. C'est pas là. Je me suis trompé. C'est là. Voilà. Et alors, on est où? On est là. Eh! Je me suis fail. Je vois pas, mais je me suis fail. Hop. Alors. Hop. Je présume que tu reconnais ça. Hein? Je me doute. Imagine. Tiens. Hop là! Un streamer délire. Obligé, faut le suivre. Y a pas le choix, faut le suivre. Mais de rien, c'est normal. Et comme ça me permettra de. Et un jour, t'es en live et que je vais couper le mien, et ben je pourrais faire le raid comme je t'ai dit. Bon, on sera peut-être que deux, hein. Mais bon, c'est mieux que rien. Hop là. Et on relance le jeu. Voilà. Hop, retour au jeu. Après, c'est pas obligé, t'inquiète. J'ai pas fait ça pour ça. J'ai clairement pas fait ça pour ça. Je l'ai fait parce que si vraiment t'es délire comme t'as dit, t'es obligé, il fallait que je suive. J'adore les gens qui ont de l'humour. J'adore les gens où tu peux te taper des barres, où tu peux faire le con. Donc non, t'inquiète, je l'ai pas fait pour le raid. Je l'ai fait juste parce que voilà, la personnalité. Et comme ça me permettra de voir vraiment comment elle est. Par contre, on a foncé comme un gros teubé, comme d'habitude. Et c'est un coup à mourir d'oxygène. Même si on va prendre le slipknot, ça serait loin ou pas loin. Bon allez, vas-y, on fonce comme ça. Et après, une fois qu'on les aura récupérés, on va stopper, vu l'heure. Mais... Ah, c'est ça qui est délire. Et l'histoire des voix, j'aimerais le faire aussi. Mais il faut... En gros, j'ai un programme qui me permet de le faire. Mais le souci, c'est que ça me ferait faire beaucoup de manipulations avec mon ordi. Et donc, je pense qu'il faudrait que j'investisse dans un stream deck... Ça me permettrait de pouvoir faire les manips beaucoup plus facilement. Parce que c'est vrai que moi aussi, j'aimerais bien pouvoir faire ce genre de boutade.
Mais ça fait beaucoup beaucoup de manip et déjà que j'ai même pas de Switch, j'ai plusieurs souris et plusieurs claviers. Donc ça fait faire vraiment manipuler énormément de choses. Mais je pense qu'un jour j'investirai. Oh, ça doit être trop délire. J'ai une amie qui adorait ta voix de Yoshi. Elle est super fan de Yoshi. Mais super fan. Elle a des Yoshi partout. Bah, je lui en parlerai. Je lui en parlerai pour un jour qu'elle aille voir. Comme ça, on pourra se faire kiffer. LOL, ah, ça doit être trop drôle. Lithium, ok. Je crois qu'on en a là-bas. On me dit pas qu'on a plus de lithium déjà. C'est pas possible. Ah si, je savais qu'on avait du lithium. C'est impossible qu'on ait plus de lithium. Alors, hop, un coup de plastacier. D'acier. Mais un jour, si j'investis dans un stream deck, je pense que je me servirai de mon programme. Parce que ça peut être super drôle. Il y a des moments, franchement, ça peut vraiment être fun. Moi, bon, je sais pas le faire avec ma voix normale. Hein. Oh, ça doit être trop drôle à voir. Oh, franchement, ça doit être trop bien. Ça doit animer de fou. Et tu fais... tu lances un jeu et tu refais les dialogues des personnages avec ces voix-là. Ça pourrait être délire. Alors, on a dit hop et 3 rubis. Ok, comme ça on fait ça et après on arrêtera sur là. Au moins comme ça on aura quand même un peu avancé, on aura amélioré Robert. Toi qu'on appelle Bozo. Bozo le clown. C'était nul. C'était très nul. Ou on t'appelle ça. Là par contre, faudrait que tu aies vu le film pour la référence. Et ça serait des streams moins de 18, hein. Voire même moins de 22. Alors, MK1. Sauf que le MK1, on va essayer de l'améliorer, parce que je crois que je peux l'améliorer. Qu'on peut l'améliorer. Sauf que là, je suis en train de m'enfoncer. On va se déco tard. Et ça va être très dur demain pour le boulot. Où je vais me faire arracher la tête parce que je parle trop fort. Bon, c'est pas grave. On n'a qu'une vie. Au feeling. Comme d'hab. Au feeling. Ah, ah, petit Ricard. J'adore quand elle fait ça. Tu arrives. Petit Ricard. Le petit Ricard, il est prêt. Il n'y a plus qu'à prendre l'apéro. Il manquerait juste une machine à saucisson. Franchement, t'arrives. Japonaise aussi. Attends. Je vais la faire celle-là. Ça va paraître débile, mais je vais la faire. Je l'ai en tête là. Écoute, Asai. C'était mauvais, c'était nul. Encore des lingots de plastacier. Oh, ça coûte cher. Les trois nickels, on les a. Ah bah ça. Ah ça, bah j'imagine. Tu le dis. Et que tu dois les gérer de ouf. On a gardé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, il nous en manque. Bon, on va s'arrêter là. On va se stopper là. Parce que sinon, je vais m'éparpiller. On va se coucher très tard et ça va pas le faire. Ok, on va lancer une petite sauvegarde. Voilà. Ouh, elle est longue cette petite sauvegarde.
Oh, elle est très longue, cette petite sauvegarde. Ah, c'est bien. C'est mieux. Voilà. Bah, je te remercie. Franchement, ça fait plaisir. C'est pour des gens comme toi que je fais ça. Parce que ça partage le fun. Ça donne du fun. Franchement, c'est cool. J'essaierai de passer à un moment où je pourrais. Je te promets pas que je sois là tout de suite. Étant donné qu'avec mes horaires de boulot, les horaires de stream, etc., j'ai des journées très chargées. Mais j'essaierai. J'essaierai de passer quand je pourrai. Pour voir ça. Pour voir un peu tout ce que tu dis. Ça doit être vraiment trop drôle. Et de toute façon, je recevrai les notifs quand tu seras lancé. Donc, si j'ai un petit time, je cliquerai direct dessus. Allez, bon, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'être venu. Franchement, c'est trop cool. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment kiffant. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre. Et ciao !